你好，我行塞。今天呢，我们全家出游来找我以前厨艺学校的 chef， 然后现在第一站呢，他带我们来到一个制作羊乳酪工坊，让我们去看看吧。到这里就是养羊的地方吗？这是一个羊的农场。Bonjour chef， 大家好，我是 Virgile。Alors ici on est dans la chèvrerie du Fort Belé. C'est une chèvrerie dans les montagnes avec un nombre de chefs qui nous permet de fabriquer du fromage qu'on va déguster plus tard. Ah c'est vrai, on peut déguster tout à l'heure. Bien sûr, bien sûr. Hello, you're nice, aren't you? 羊妹妹怎么叫 ？Hello, baby goatee. Me. We want to touch the buck. Which part? I don't know. The head. It's shaking. I think if it runs, it's gonna be painful. Okay, we should stop about this. Okay. Alors les chèvres sont rentrées. Elles mangent du foin frais, de la paille fraîche, parce que c'est riche en eau. Ça leur permet de faire un meilleur lait. Tout ça, il y a de la chlorophylle, il y a de l'eau dedans. Mmh. Ah, c'est frais, hein. C'est frais. Ça sent bon. Ça sent la chèvre. Ah, c'est le magasin ici. Cheese, yam, mémé. Oh. Donc, avec différents stades d'affinage. Okay. Donc, là, vous avez les fromages très frais, donc 48 heures de fabrication. Oh. Un petit peu plus affiné, on est sur une semaine. Après, des fromages très frais roulés dans les épices. Et après, les fromages plus secs, donc un peu plus vieux. Donc... Et du coup, apparemment, ça c'est moins fort et ça c'est très fort. Voilà, on est sur du très doux et là, le goût il arrive au fur et à mesure de l'affinage, du séchage, de l'égouttage du fromage. Là, ici. It doesn't smell too strong. Yeah, it's fresh. Only 48 hours. I like it. Wow, so fresh. But the taste is very light. Just 3 months. Oh. Put it in your hand, you're not going to be able to eat it. Oh, it's good. Hey, there's the other one. This is my son. You want to eat it, right? Here, give it to you. Wow, very good. Let's try this 3 months. Hey, actually, it's not very sweet. It's very dry. And it's good. Et pourquoi avant j'ai coupé l'autre, je sais pas, c'est pas chez vous, mais oui, pourquoi c'était beaucoup plus fort. Oui, pourquoi? Bah, ça dépend des propriétés du lait après, hein. Enfin ah. Voilà, de ce qu'on leur donne à manger. Puis c'est là où il y a ce matin, rien de nouveau, tiens là. Et dans la gueule. Oh. Ouais, ben voilà. Oh. On a fait. Oh. Allez, le tâche, quoi, le tâche. No, but I like it. Why? Tastes of goat. 好嘞，现在我们回到 chef 的家里啊，我们要准备吃午餐了。看一下我们要吃什么。Là, on a préparé un joli taboulé fait avec du quinoa et de l'amarante. Ça a beaucoup de protéines et pas de gluten. Ça a tous les avantages du blé, mais sans les inconvénients. Donc c'est très bon pour la santé. Ah, on mange très sain aujourd'hui. Ah ouais, c'est très sain. C'est très bien de manger frais comme ça quand il fait chaud. Mmh. C'est super. 夏天吃这种东西真的是很舒服。你要不要吃啊？要不要吃？不要。等一下他也不饿。Et du coup, chef, on fait quoi maintenant? Alors maintenant, on va préparer un fond de tarte un peu particulier. C'est de la pâte à crêpes très fine qu'on a fait caraméliser. Ça sent bon le beurre. Mais c'est pas toi qui fais caraméliser, hein? Non, c'est pas moi. L'emballage, c'est là, non? C'est voilà, c'est ça. C'est pas moi qui fais caraméliser. Et quand c'est en entier, ça ressemble à ça. Comme ça. Ah ok, tu le casses. Oh, ah, chocolat blanc. Chocolat blanc. Waouh, ça t'en a envie déjà. Ah, ça sent bon. Ah, du coup, ça te donne comme ça. Ah. Et à l'école, tu enseignes tes élèves cette façon? Pas toujours. Parce que moi, faut que je leur apprenne la façon traditionnelle pour qu'ils aient leur examen, leur diplôme. Filmer au contact, toujours. Et maintenant, on va mettre ça au congélateur pour que ça devienne bien dur. Ok, parfait. Hey chef, tu fais quoi maintenant? Je triche. Tu le calmes. Parce que je me rappelle plus des proportions. Ah, du coup, même tu enseignes tous les jours, en fait, tu te rappelles plus. Ouais, mais la tarte citron, je l'enseigne pas tous les jours. Maintenant, on va faire le crémeux citron. Ok. On va mettre nos œufs dans la casserole directement. On mélange rapidement. Le sucre glace. Le jus de citron. Et maintenant, on va mettre sur le feu. Mon thermomètre pour contrôler la température. Et quand j'atteins 58 degrés, d'accord, je stoppe. On va rajouter la gélatine. On mélange. Attends. Là. Chouchou. Hey, sweet, sweet. Mmh, pas assez. Et du coup, c'est bien refroidi maintenant? Ouais, là, c'est bien.
C'est maïs, ça fonctionne bien, hein, tu m'as dit. C'est fantastique, j'en ai jamais vu des comme ça. Hein, on peut voir le Mac. Tiens, mais qu'est-ce qu'il est écrit? Je sais pas. Chef chouchou. Oh là là. Mais je trouve pas ça, moi, en France. Bah c'est vrai, hein. Comment c'est arrivé, là? Ça, c'est un très grand Mac. Incroyable, ça c'est top. On va monter au beurre. Monter au beurre. Ça va blanchir un peu et surtout, on va prendre du volume et de l'onctuosité. Et voilà notre crémeux citron. Et maintenant, on va le laisser prendre dans la poche et ensuite, on va garnir notre fond de tarte. Mais en attendant, on fait quoi? En attendant? Ouais. On va aller à la piscine. Viens, Adi, au revoir. Alors, on va aller à la piscine. Tiens, attends. Attention. Attention. Bye bye. Bye bye. Ça va, ouais. Ça va. 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 Ah, bah, 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 on va récupérer notre fond de tarte. Ah, ok. C'est bien figé aussi. Hein. Ah, c'est bien. Ouais. Ah, ouais, c'est très dur. Chef, tu étais pâtissier avant? J'ai un diplôme de CAP pâtissier. Ah. J'ai travaillé un peu en pâtisserie de restaurant. D'accord. Mais je n'ai pas travaillé en pâtisserie de boutique. Oh, c'est très joli. Et mais chef, qu'est-ce qui se passe ici? Le chef, il n'a pas bien calculé les proportions. Et du coup, on se retrouve avec du manque. Bon, ça fait joli aussi. On va lui mettre un peu de croquant avec le chocolat noir. Donc, okay. J'ai préparé des copeaux de chocolat noir. Ça nous amène un peu de couleur et ça fait ressortir le citron. C'est la touche finale. Ah. Frigo et après, bidon. Maintenant, on va commencer à faire notre moussaka. Il faut qu'on prépare les aubergines. Alors, ça coupe bien, hein, cette couleur, ouais. Non? C'est quoi ce Mac? C'est des couteaux, je sais pas. Oh, attends, ok, ça c'est un très très grand Mac. Ah bon? Chef chouchou? Ah oui. Ah, je connais pas, c'est pas français ça. Non, 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 c'est made in Taiwan. Made in Taiwan? Oui, made in Taiwan, le couteau en France, tu vois. Mais comme toi? Exactement. Mais comment c'est arrivé chez moi des trucs pareils? Je comprends pas, ça coupe bien, hein. Top qualité, top qualité. Et ça c'est les mots d'un cuisinier. Merci chef pour la publicité. Pas de pub, pas de pub. La fleur de sel parce que ça va permettre de faire ressortir l'eau. Huile d'olive, de cuisson. Huile d'olive. Alors celle-là, normalement, c'est pour l'assaisonnement. Ah, c'est vrai? Mais okay. En ce moment, j'ai un peu les moyens, alors. Ah, vu que t'as une très très belle cuisine, tu vois, grosse maison, quoi. Ouais, ouais. Tu vois, le vue là, oh là là, c'est très joli. Hein. Au four. 300 degrés. 300 degrés. Combien de temps? Et on verra, on va checker après. Hein, quand ouais, même. C'est comme la pâtisserie. Ouais, exactement. Maintenant, on va désosser notre épaule d'agneau. D'accord. Donc pour ça, il nous faut un bon couteau. Okay. Donc moi, j'ai toujours avec moi un couteau vraiment qui est au top. Alors, je sais pas ce que c'est comme couteau. Ah, il y a un truc pour protéger. Un truc pour protéger. Ah, moi, je croyais qu'on coupait comme ça. Ah. Alors, attends. Chef chouchou. Encore? Bah, c'est bizarre. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Je sais pas. Mais j'en ai vu un tout à l'heure. Je me demandais comment... Ah oui. Mais c'est pas vrai. Ah oui, c'est la même grand Mac. C'est la oh même marque de couteau, mais comment ils peuvent se retrouver ici? C'est de la folie. Bon, bon, alors, chef, c'est bon, on n'a pas besoin de faire deuxième fois. Ça, c'est du bon, ça, c'est du bon. Aïe, allez, doigts. Ok, on a fait suer nos oignons. On va rajouter la viande d'agneau hachée. On met les tomates. Une branche de romarin. Ah. Là, regarde ces couleurs. Ah ouais, c'est magnifique. Cool. Maintenant que ça a bien mijoté, on va lever le couvercle. Waouh. Les arômes, le parfum, aubergine. Okay.
plusieurs couches. C'est comme, lasagne, comme les lasagnes. Le aubergine. Exactement. Ah, okay. Ok, on a fini de monter notre lasagne, okay. Notre moussaka. Wow. On va arroser d'huile d'olive. On est généreux. Une bonne huile d'olive italienne, bio. Fromage de chèvre qu'on est allé chercher ce matin à la chèvrerie. Et là, on va râper. Oh, ça sent vraiment. Hein. Quelle odeur. La chèvre est dans le plat. Mais t'entends la chèvre? Elle nous appelle. Bonne nuit. 15 minutes.配上那个羊起司，就这种植物性的千层面，吃起来又爽。C'est bon， 简直完美。啊，你要不要吃饭？不要啊，你还不饿对不对？你快来弄杯大西葱啊！是那个 dessert 哦。你要不要吃蛋糕？好。好不好吃？哇！你还要？哇 ！Super bon！ 看这一层，这个白巧克力这个饼皮，然后加上这个酸酸甜甜那个柠檬塔。我要许哎！哎呦！哦，想送了哇！好赞！第二天。好了，今天早上呢 ，Chef 带我们来一个菜园哦，我们要来采一些蔬菜水果。哎，这是入口，这边有这些格西可以自己拿，待会可以去采那个蔬菜，上面有写说，哎，要怎么搞，怎么搞，对不对？大家看不懂没关系，我看得懂就好了。走，你推。哇，很棒嘛。So, can we become like an agriculture? Yeah, it'll be very practical. Oh, yeah. It's a good job, I think. Yeah. 很好，很棒哦。Là, on est sous les serres des tomates.Ça, c'est des petites tomates cocktail. Ah, ok. 直接开吃。天哪，味道超好的。耶，俺是种田的。哇，好棒，好棒。J'ai une question. Si on pique et on mange, et c'est gratuit. C'est gratuit. Ah, ok. C'est gratuit. Mais après, à force que ce soit gratuit, si on paye jamais, lui, l'année prochaine, il va fermer. Donc, on ne pourra plus manger gratuitement. D'accord. Donc, de temps en temps, il faut payer un peu. Ok. Wow, c'est trop bon. Je vais passer à l'autre, je vais créer. Oh, yo, c'est trop bien. 上面是种番茄，然后下面呢？下面这个是罗勒番茄配罗勒，这不是最传统的意大利菜吗 ？Pourquoi ils mettent de basilic au sous de tomate？ Ça c'est pour repousser les insectes nuisibles. Comme ça, il y a pas de produits. Sans produits chimiques. Ok, parfait. Look, basil leaf with tomato. Wow. It's a traditional Italian cuisine together. Delicious. Yeah, so good. I just need some mozzarella. 你还在吃？你还在吃？好不好吃？你喜不喜欢采番茄？喜欢采番茄。哎呀、啊，掉了，掉了，掉了，掉了！来擦一擦，掉地上，不要紧。那啥加那啥多 ？Ici on a des concombres. Ça c'est les variétés épineux. Tu vois, il y a des petites pointes, ça pique. D'accord. Un petit peu. On tourne, on tire. Là il est mûr. Ok. Ah, ça c'est les cébettes. Oignon cébette. Ça pique pas. Ah, regarde. Allez, 试试生洋葱. Oh, 甜甜耶，感觉应该问导游更好吃. Oh, ça commence. Mais au début, il y a pas, mais après, oh, mais. Oh, oui, oh, 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 oh. Alors ici, c'est les poivrons rouges. Ah. On a. Tu le croques. Mais sérieux. C'est pas fort.C'est doux, c'est riche en eau, c'est excellent. Regarde l'eau. Je vais essayer un peu. Quand même, j'ai mangé assez. Oh, j'ai un peu de sucre, 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 sucre. Ici, on est dans les aubergines. Ok. Alors, les aubergines, on a différentes variétés. Elles ont toujours les mêmes formes, mais elles changent de couleur. On a des toutes petites ici. Ah, ça, c'est graffiti. Graffiti, exactement. Ah. Regarde. Ici, ah ouais. On a l'aubergine traditionnelle avec une jolie couleur.
Mais dommage, on a fait moussaka hier déjà. Ouais, bon, on fera une toute petite. Du coup, on pose ici, finalement. Finalement, on pèse ici. Okay. Parce qu'il faut, à un moment donné, il faut y aller, quoi. Et là, grosse aubergine, hein. Attention. Hein. Ouais. Le record de la semaine, c'est celui-là. Alors, on va maintenant revenir chez le chef de la maison. On va utiliser les poivrons qu'on a trempés dans les légumes pour faire une simple déjeuner. Alors maintenant, on va mettre au four les poivrons qu'on a cueillis tout à l'heure. On a mis le four à 300 degrés. Alors, c'est bien de couper les tomates très très frais comme ça. Ah oui, c'est super. Elles sont délicieuses, parfumées. T'as pas besoin d'une planche à couper hein? Non, je coupe dans la main comme ça. Ah, ça c'est technique française hein? Peut-être. Ok, maintenant, tout ça c'est cuit. Magnifique, on avait mis des petites aubergines. Et là, on va récupérer la chair pour mettre dans la salade. Là, je vais faire l'assaisonnement. Okay. Et d'abord, je commence, je mets des graines de tournesol, les graines de chia. Waouh, c'est très très sain. Oui, un peu de poivre. Ok. Et du sel. Ah, fleur de sel. Fleur de sel, wow. De Guérande. Ah, vous avez vraiment le moyen. Hein. Ah. Ok, alors maintenant on a préparé notre bouillon, un bouillon d'agneau. Uh-huh. Et maintenant je vais y mettre une grosse pincée de sel, okay. Même deux. Et ensuite, on va ajouter nos pâtes de Savoie. Ok. Longoluéha. Ah ouais, c'est ça, c'est ça. Bip bip. Alors maintenant on va préparer l'assaisonnement pour notre jolie salade. De la chair d'aubergine. Ça c'est du miel qui vient de la montagne juste derrière nous. Le miel ça amène du sucre et de la douceur. Mais ça c'est quoi ça? J'ai une belle boîte. Oh, c'est très joli cette boîte. C'est beau hein. Tiens. Oh, encore une fois. Encore une fois, bah, chef chouchou. Ouais, c'est ça. Waouh. Alors ça te plaît? C'est magnifique. Vinaigre de coin. Vinaigre de coin. Ça sent caramel. Un caramel de fruits. C'est très bon, c'est très sucré, très parfumé. Huile de pistache. Huile de pistache. Oh, ça sent. Oh, c'est parfumé. Allons-y. Oh, les belles couleurs. Huile d'olive pour finir avec une note de rondeur. Basilic frais qu'on a ramassé tout à l'heure dans le jardin. C'est le moment d'assaisonner. C'est très très frais. Ah, c'est frais. So delicious. Amazing. With the salad, it's just a fantastic meal. I love it. 烤过的青酱去皮，试一下。 哦，超好吃，超新鲜。在高汤里面煮了那个意大利面，很有味道。对，好不好吃？好吃好。要不要来一口？爽不爽？ 爽啊！Bon, merci chef pour ton accueil, c'est vraiment agréable. C'est un plaisir de te recevoir, ça faisait longtemps que je voulais que tu viennes. Je pense souvent à toi. Ah c'est vrai? Ouais ouais, je pense souvent à toi, parce que t'es quelqu'un qui allait loin, et c'est très dur ce que t'as fait, et je trouve ça magnifique. Donc c'était un honneur pour moi de te recevoir, et de te faire découvrir tout ce qu'on a découvert ensemble. Merci, merci chef. Alors, là, aujourd'hui, l'épisode est terminé. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, de vous abonner, de vous abonner. On se voit bientôt, bye bye! Bye bye!